Nous voici donc au salon du jeu et du chocolat avec Monsieur Funky Fouin, Yumia, Hello, Cartman. Salut. Ah, ça, un petit mot Cartman. Funky Fouin et j'adhère à cette vidéo. D'accord. Et Monsieur Quentin. Mais surtout, nous allons suivre les aventures de Kiki. Kiki au salon du jeu, vous dire Kiki du calme, Kiki du calme. Ah, il est très très impatient d'aller voir les gens là. Bon, c'est parti. Kiki voit plein de monde, content. C'est le salon du jeu vidéo. Kiki va choisir. Ah, il est content. Tu veux jouer avec la sorcière? Tu veux peut-être prendre le jeu là-bas? Je vous dirai s'il a trouvé quelqu'un. Et voici Kiki avec... Présentez-nous, madame. Alors, c'est Jeff the Killer, pour le coup. Et aujourd'hui, il est venu à visage découvert. Parce que c'est que dans les conventions, personne ne va venir l'embêter. Il va pouvoir tuer plein de gens. Hey. You go to sleep. Et Kiki, lui, pourra se faire de plein de nouveaux amis en se faisant des bisous aux mains et en sautant dessus. Super. Déjà un ami. Mais c'est parti pour la suite. Ouais. Alors, Kiki, t'es content? Vous êtes content, monsieur? Ouais, très bien. Oh, c'est normal, il adore sauter sur des gens, mais je sais pas pourquoi. Hein? Et là... super bien réalisé, quoi. Et voilà, Kiki s'est fait un nouvel ami. Et dis donc, c'est déjà le deuxième. Mais Kiki, sage, Kiki, tu restes sage, hein? Voilà. Ah, quelle amoureuse, Kiki. Et voilà Kiki avec un nouvel ami. Mais il est sage, bizarrement, il a pas voulu sauter sur la gueule, je sais pas pourquoi. Mais voilà, Kiki s'est encore fait un ami. Ah, mais il est génial cette convention, c'est pas possible. Bah, c'est le barman, ça se l'est. Il y avait la musique avant, c'est dommage, on l'a fait. Il y a un Jawa là-bas, il est magnifique. Un magnifique Stormtrooper qui passe. En train de chercher les droïdes qui sont juste à côté d'ailleurs. Mais ce ne sont pas les droïdes qui cherchent. Ce ne sont pas les droïdes. Justement, là, bah, les voilà. Des vrais R2D2 qui bougent, qui font de la musique, qui répondent. Vous voyez, je lui réponds, salut. Il répond. Coucou. Ah, il vient de dire bonjour. Ils sont polis au moins, c'est ça qui est bah, bien. Bah, par contre, j'avoue que j'ai jamais appris le langage, donc je ne connais pas trop. Ah bah, et là, il est souvent en train de nous insulter comme là. Ouais, c'est le personnage le plus censuré de Star Wars, hein, qui fait exactement toujours bip. Comme Chewbacca. Moi aussi. On a la princesse Leia aussi à côté. Juste là. Le colonel, je ne sais plus comment il s'appelle malheureusement. Je suis désolé. Et voilà. Ah, est dommage. Le meilleur des Jedi. Mais on le reverra. Il est parti faire une patrouille. On a signalé des soucis, donc on ne sait jamais. Hein. En revenant. Exactement. Et voici Kiki avec un ami. Mais il a pas l'air très content, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Pauvre Kiki. Ah là là. Toujours incompris. Kiki, il s'est fait un ami, mais il trouve pas comment faire le bisou parce qu'il n'y a pas de visage. C'est triste, hein. Mais ça fait toujours un ami en plus. Kiki nous a emmené dans un endroit assez bizarre. Je comprends pas ce que c'est. Mais c'est en fait Umbrella Corp. Cher Kiki a envie d'aller voir. Oui, il est curieux, il comprend pas trop. Mais qui t'en fait pas, Kiki? Le monsieur, oui, il est casqué, il peut pas. Il fait pas trop peur là, Kiki. Il sait pas trop ce qui se passe, il se comprend pas là ce qu'il a devant. Ah bah là, il bouge plus là. Du coup, voici un agent d'Umbrella Corp. Bien sûr, le nom ne sera pas révélé, sinon. Voilà ce qui se passera. Alors, bien sûr, en cas de zombie, ils ont prévu une cage. Très utile parce qu'on sait jamais quand une invasion peut, quand une infection, excusez-moi, peut arriver. Je crois qu'on a une vraie zombie. Ouais. Un zombie a bien été capturé, très dangereuse. Très sympa la tête de Nemesis qui a été abattue et mis en trophée pour dire. Après on a une qui a été infectée et puis qui est sauvée. Ah, donc il y a bien un remède pour si jamais. C'est intéressant à savoir. Voici le virus T de près, des armes derrière pour protéger au cas où. C'est l'antidote. Ouais, l'antidote. C'est ce qu'on nous a dit, après... Dans tous les médicaments, il y a des effets indésirables. Ah non, mais j'ai envie de te dire que c'est peut-être un autre virus.
On sait pas, on sait pas. C'est tout. C'est trop bien. Qu'est-ce qu'il a, papa Kiki? Qu'est-ce qu'il a? Oui, Kiki. Oui, papa, il est un peu bizarre. Regarde. Papa, papa, si tu veux, il y a quelqu'un à côté, là. Regarde. Regarde, il est gentil. Mais vous savez qu'est-ce qui lui arrive, là? Je pique. Kiki, Kiki, doucement, doucement. Je pique. Il va encore se faire un ami. Et c'est l'heure de manger. Donc Kiki, il a pris son petit croque-monsieur. Pendant que Jack est en train de dormir sur lui. Ah là 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 là. Il est pas gentil ce Jack. Heureusement Kiki est fait de ne pas solide. Donc il veut pas. Bon appétit tout le monde. Là Kiki il a beaucoup de chance. Regardez, il s'est trouvé non pas une amie mais une amie princesse. Mais ça si c'est pas de la chance. Donc voilà la princesse aux xénomorphes. Et ouais, même les princesses aiment les xénomorphes. Ouais. Les girls. Ils sont tellement mignons. Oh, il est très calme, hein. Très collant, très câlin.